Il nous arrive une question posée par M. Xavier Breton à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaiterais interroger à travers vous le ministère de l'Intérieur sur la vague migratoire de très grande importance que connaissent la France et l'Europe. Notre pays a bien sûr historiquement une tradition d'asile qui permet aux personnes persécutées pour leur appartenance politique, religieuse ou ethnique d'être accueillies et de pouvoir trouver sécurité et solidarité dans un pays de liberté. Or, au cours des dernières années, les demandes d'asile dans notre pays ont explosé. Et chacun sait très bien qu'une grande majorité d'entre eux ne sont pas des vrais réfugiés politiques. Aujourd'hui, en France, de très nombreux demandeurs d'asile sont toujours dans l'attente d'une éventuelle reconnaissance du statut de réfugié et vivent dans la rue des situations humainement dégradantes et inacceptables, comme c'est le cas aujourd'hui dans la ville de Bourg-en-Bresse. Or, l'État, malgré la loi du 10 juillet 2015, est incapable d'accélérer les procédures ni de faire appliquer les décisions de justice de déboutement du droit d'asile et donc de reconduite à la frontière, entraînant de fait un accroissement constant du nombre de personnes en situation irrégulière. Toute la procédure de demande d'asile est ainsi complètement embolisée. Les centres d'accueil de demandeurs d'asile et les hébergements d'urgence sont majoritairement occupés par des déboutés du droit d'asile non reconduits aux frontières à l'issue des décisions définitives de rejet de leur demande par absence totale de volonté politique. Nous savons effectivement que moins de 10% des déboutés quittent effectivement notre territoire à l'issue des voies de recours. Au moment où notre pays compte plusieurs millions de personnes en situation de chômage et de précarité, nous ne pouvons plus ouvrir nos portes aux réfugiés, entre guillemets, économiques, qui ne peuvent trouver une activité sur notre territoire, et nous ne pouvons plus longtemps accepter sur le territoire national autant d'immigrés en situation irrégulière. Bien sûr, ces situations sont complexes à gérer, et nous devons souligner le travail effectué par les services préfectoraux et par les associations locales avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact. Mais l'absence de clarté et de détermination crée fatalement un appel d'air pour les migrations, notamment vers des départements frontaliers comme celui de l'Ain, dont les structures sont déjà surchargées. Or, nous ne pouvons plus longtemps continuer à leurrer ces populations étrangères en leur faisant croire que notre pays peut continuer à les accueillir en leur offrant de nouveaux droits, alors que la France est confrontée aux difficultés majeures que nous connaissons et que nombre de nos compatriotes qui ont travaillé leur vie durant n'ont pas l'essentiel pour vivre dans de bonnes conditions. Aussi, Monsieur le Ministre, quelles dispositions le gouvernement compte-t-il enfin prendre pour mettre un terme au détournement des procédures de droit d'asile et pour appliquer enfin les décisions de l'OFPRA et de la justice d'éloignement du territoire national de tous les migrants déboutés à l'issue des voies de recours? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre Jean-Marc Todecchini. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Xavier Breton, le gouvernement a su perpétrer la force de la tradition républicaine d'accueil des demandeurs d'asile pendant ces 5 dernières années dans un contexte migratoire mouvementé. Il l'a fait par une réforme redonnant de la vigueur à nos procédures d'asile, tout en renforçant les droits et les garanties des demandeurs. Contrairement à votre analyse, les premiers résultats sont tout à fait encourageants, même si les effets attendus de la réduction des délais de traitement se sont trouvés atténués par l'augmentation de la demande d'asile. Nous l'avons fait aussi par les efforts consentis en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, en doublant le nombre de places en CADA, soit une création de 20 000 places sur la durée du quinquennat, alors que seulement 2 000 places avaient été créées sous votre majorité. Ce sont également les places en centre d'accueil et d'orientation qui ont permis depuis octobre 2015 à 17 000 personnes de trouver un moment de répit dans leur parcours migratoire où elles ont pu bénéficier d'un accompagnement social, sanitaire et administratif et où de nombreuses personnes ont entrepris une demande d'asile en France. Pour un juste équilibre, cette politique va de pair avec notre engagement pour la lutte contre le détournement des procédures d'asile et contre l'immigration irrégulière. Dès lors qu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa situation administrative a fait l'objet d'un examen global, nous mettons tout en œuvre pour que l'éloignement soit effectif. Par la loi du 7 mars 2016, nous avons renforcé le dispositif d'assignation en résidence pour accroître l'efficacité de cette politique. L'efficacité de notre action se traduit dans l'évolution des éloignements forcés. Dans ce cadre, la mesure la plus emblématique est l'éloignement de ressortissants de pays tiers, car c'est la plus complexe à mettre en œuvre.
Certes, les données 2016 par rapport à 2015 montrent une baisse de 2,3% de ces éloignements, de 6311 à 6166, soit une baisse de 145 mesures. Mais il faut la mettre en perspective avec les effets du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Celui-ci s'est traduit par une très forte augmentation des non-admissions d'étrangers en situation irrégulière prononcées par les services de police aux frontières, 63 732 en 2016 contre 15 849 en 2015, soit une hausse de 47 833 mesures, plus 302%. Ces personnes non admises n'ont pu rentrer sur le territoire national et en quelque sorte, il n'a pas été nécessaire de prendre à leur encontre des mesures d'éloignement et moins encore de les faire exécuter. Enfin, depuis 2009, le total des éloignements forcés est passé de 12 547 à 12 961, soit une augmentation de 3%. De même, l'évolution des retours forcés de ressortissants de pays tiers est à la hausse, de 4 015 à 6 539 mesures, soit plus 62%. Aussi, afin de favoriser la dynamique de retour des demandeurs d'asile déboutés, des dispositifs spécifiques de préparation au retour volontaire sont mis en place. Enfin, les dispositions de l'article L551-3 du CDSA permettent de rejeter des demandes d'asile formulées tardivement dans les lieux de rétention ou pouvant être considérées comme dilatoires afin de ne pas entraver l'exécution des mesures d'éloignement. Merci, Monsieur le Ministre. Le temps étant dépassé.